Difficile de se rendre compte que Didier a passé la moitié de son existence chez Michelin. Si avant il réparait des machines, aujourd'hui il a décidé de replacer l'homme au cœur de sa vie. Je me lève le matin, j'ai pas du tout la même pression que je pouvais avoir. J'ai pas d'horaire à respecter. Je sais que je vais prendre du plaisir à donner du plaisir aux gens et voilà quoi. Aujourd'hui, j'ai un être humain en face de moi, j'ai plus une machine. C'est une deuxième vie qui démarre, c'est autre chose, c'est plus. Voilà, il y a un rapport privilégié avec le patient. Changement d'ambiance avec Karim, qui a laissé travail et mandat syndical pour mêler passion et profession. En partant de Michelin, il s'est installé à deux pas de l'usine comme DJ. J'ai eu un accident de travail chez eux et voilà, j'ai un handicap de 60% côté gauche du bras, donc ça se voit pas. Mais à cause de ça, voilà, je me suis dit dans quelle entreprise je pourrais aller pour travailler. Donc la seule voie possible pour moi, c'était l'ouverture d'une entreprise. Ce n'est pas facile non plus de prendre une entreprise parce que derrière, on entraîne tout le monde, enfin toute la famille. Donc, on en a parlé longuement et donc elle a repris une activité derrière. Donc pour l'instant, entre guillemets, je vis au crochet de madame. Si quelques mois après leur changement de vie, ils ne vivent pas encore de leur métier, ils ne regrettent pas leur choix. Je l'aurais fait tôt ou tard. Avec Michelin ou sans Michelin? Avec des ateliers de transition professionnelle ou sans? J'ai le poids de Michelin en moins, voilà, la fatigue, les 3-8. Ce que je perds de Michelin, c'est les collègues. Sur les nombreux axes BIB, la reconversion de Karim et Didier reste aujourd'hui une exception.